Citoyens, citoyens, c'est moi qui détiens les pleins pouvoirs et le trône. Citoyens, je fais une proclamation. Citoyens, les dieux ont rétabli la situation de notre cité qu'ils avaient plongée dans de terribles convulsions. Puisque les jumeaux d'Oedipe sont morts et ont connu le même sort en périssant et en se frappant de leurs mains sacrilèges, c'est moi qui détiens les pleins pouvoirs et le trône, car je suis le plus proche parent de ces morts. Peut-on réellement connaître à fond le cœur d'un homme, ses pensées et ses raisons avant qu'il ne se révèle au trône en exerçant le pouvoir et en appliquant la loi? Quiconque, selon moi, préside aux destinées d'une cité et ne prend pas les décisions adéquates au point de se laisser intimider, me semble être le pire des hommes qui existent ou aient existé. Et quiconque met un être qui lui est cher au-dessus de sa patrie ne compte absolument pas pour moi. Ne sais-je pas que c'est son pays qui assure ma propre sécurité et que, pour moi, lui garantir une heureuse traversée constitue le seul vrai moyen de me faire des amis. C'est en suivant ces règles que j'assurerai la prospérité de notre cité. Quoi? Qu'est-ce que je vois, citoyen? Tu ne t'es pas encore abonné? Abonne-toi! Aime, partage et surtout, surtout, sois là mercredi à 18h.